Op 1 december 2018 wankelde de macht in Frankrijk zoals zelden tevoren. Alle gele hesjes waren van hun rotondes op het platteland naar Parijs getrokken. De politie had totaal niet op demonstraties van deze omvang en heftigheid gerekend. Tot de dag van vandaag zijn veel mensen in Europa stomweg arm. Dat wordt vaak vergeten. Zoals in 1789 de Franse revolutie begon na een verhoging van de broodprijs, zo sloeg bij de gele hesjes de vlam in de pan na een verhoging van de benzineprijs. Ja, terwijl vlak daarvoor de belasting voor de rijken juist was verlaagd. Maar de frustratie zat veel dieper. De kloof tussen arm en rijk werd groter en groter. Het was zo onschuldig begonnen, met wat protesten op rotondes. Totdat het hele land mee ging doen. Demonstratie na demonstratie. De gele hesjes begonnen ze zelfs nummers te geven. Die grote in Parijs was bijvoorbeeld nummer 3. Maar daarna zouden er nog veel volgen. Revolutie was en is immers kwestie van lange adem. On n'en a rien à foutre de Macron. Bien sûr qu'on n'en a rien à foutre de Macron. Mais pour l'instant, il est toujours en selle, là, dans son palais. Et nous, on est ici, à Amiens, aujourd'hui, pour notre énième manifestation. La 69e, pour être exact. Avec la devise, on est là. Et à chaque fois qu'on est là, il semble que plus de flics arrivent. L'état de la France aujourd'hui. Sans eux, le gouvernement, il tombe. Il tient pas, le gouvernement, sans eux, là. Macron, il tient que grâce à sa police. Et ça a toujours été ça. Tant que la police, elle vient pas de notre côté, on gagnera pas la révolution. Si tu veux la vraie révolution, comme Amandine avec ses fleurs dans son sac à dos, si tu penses vraiment que tout devrait être différent, alors tu dois avoir une sacrée résistance. Il devient en effet de plus en plus difficile de faire monter les gens dans la rue. Non pas qu'ils n'aient pas le temps, mais ils préfèrent se cacher dans le café d'en face, derrière un verre de rosé pas cher, ou rêver de gagner au loto. Ah ben j'ai participé un peu au début, volontairement, hein. Quand ça tombait dans mes jours de repos, je pouvais y aller, mais là, je comprends même plus ce qu'ils veulent, quoi. Je sais plus pourquoi ils y vont, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que c'est. Gilets jaunes, ben, ils ont raison quand même, d'un sens. Pas tout, mais une bonne partie. Vous voyez comment ça se passe, hein. Pour gagner quoi, la retraite, 80 euros, 1000 euros par mois, vous arrivez à vivre avec ça? Quand vous avez passé payer les courses, payer l'appartement, ben vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Les gilets jaunes, je dirais que sur certains aspects, ils ont raison d'être en colère. Après, la façon dont ils l'expriment et dont ils le matérialisent, c'est très décevant. Voilà, on peut manifester sans casser. Moi, j'ai fait 40 jours de grève en 1974. On était face au CRS, on se battait pas. Hein. Allez voir maintenant. En fait, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « La colère fait des révoltes, mais l'espoir fait des révolutions ». Donc si on est là, la colère, elle est toujours là, mais on a encore l'espoir que la révolution, elle ait lieu, quoi. Thank you.
ans, tout va bien. S'ils n'attrapent pas le coronavirus, ça ira. Oui, c'est évident, c'est évident. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Oui. Et puis ça se propage, hein, ça se... Il y a eu un cas encore. Là, ça rentre un peu en Espagne, c'était l'Italie. Hier, en fin d'après-midi, il y a eu encore un cas à Villers-Boquerache. Très bien, oui, oui. Oui, Corona. Ça venait juste de commencer à l'époque. On n'en savait rien. Mais ce virus allait nous mettre des bâtons dans les roues, à nous, les gilets jaunes. Personne ne s'était imaginé alors qu'on allait tous devoir rester confinés en France peu de temps après. Le bistrot allait lui aussi fermer et, avec lui, nos chances de gagner le tiercier disparaissaient aussi. Oh non, il est loin derrière, il est même plus dans le champ de la caméra. Alors, contrairement à moi. 50, 100, 120, 140, 160... 180, 90, en fait. Ça va ? Et voilà. Journée de gagné. Et voilà. Bon, bah allez, vous mettrez un verre à tout le monde. Ah bon ? Oui. Encore. 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 Dans le bistrot, encore. Personne ne semble se préparer pour la manifestation, okay. L'adore. La volonté de se battre est partie. Ils sympathisent toujours, mais se joindre à la bataille, non merci. Et lui non plus, le boxeur Jérôme Fouache, célèbre dans tout Amiens. Il n'a jamais pu devenir un grand champion, car en plus de son entraînement, il a toujours dû travailler. Il se faisait appeler l'ouvrier du ring. La dernière fois, je discutais avec un jeune, il me parlait de la France. Il m'a dit, c'était un Tunisien. Il me dit, ouais, en France, c'est le paradis. J'ai attendu. Attendrai, parce qu'il venait d'arriver en France. J'ai attendu un petit peu. Si on se rencontre dans 3 mois, tu me demanderas si c'est toujours le paradis. Le mec, il n'y a rien. Et lui, il est arrivé en France croyant qu'ici, c'était le paradis. Nous, on arrivait en France croyant c'était un aide d'Europe. Non, non. Non, avant, c'était un pays riche. Et le pire de tout, c'est que c'est toujours un pays riche. Sauf que. On va dire que ceux qui ont de l'argent, ils sont plus riches. Et ceux qui n'ont pas, ils sont moins riches. Ils sont encore plus pauvres. Voilà. Je suis quand même moins pauvre que j'étais. Hein. Voilà. Oh, mais avec un SMIC, on ne peut pas dire qu'on est riche. Je ne sais pas si on peut se plaindre, il faut se battre. Voilà. Pas se plaindre, mais se battre. Voilà. Pour dire non, je mérite plus. Parce qu'avant, je ne pensais pas. Je suis le SMIC tout au début, j'ai dit c'est normal, c'est bien, on vit bien. Tellement on a compté avant. Mais là aujourd'hui, je trouve plus pareil. Aujourd'hui, je mérite plus que ça, quoi. Et on me dit, c'est pas que je me prends pour ce que je suis pas, mais je mérite plus que ce que j'ai. On est à Amiens-Nord. On est ici rue Messager. Et c'était là où j'étais quand j'étais petit. Petit, quand j'ai commencé à... Non, pas petit, j'avais 17 ans à peu près. Et j'ai vécu ici avec ma femme, mes petits-enfants. Mes enfants, ils sont nés ici. Bah ouais, c'est ça, c'est parce que j'habitais ici avant. Bah oui, bah on sait. Ouais, on se rappelle. Ouais, pas qu'il y ait de problème. Parce que j'habitais ici avant. Du ouais. Premier sur Amiens, quand même. Vous vous souvenez encore? Moi, je suis venu en France en 2010. Il était là, après il est parti 2009-2010, je t'ai vu. Ouais, à savoir que même si j'étais plus là, je venais souvent dans le ouais, quartier. Ouais, ouais, voilà. Ah. Moi, quand je venais du bled, c'est pour travailler. Mais là, il n'y a pas de travail, je vais rester faire quoi ici? Là, moi, je viens de l'Algérie, mais je vais revenir. Moi, je connais pas la France. Je suis venu, j'ai dit, ouais, pour l'économie, tu vois. Pour vivre bien, pour... Mais non. En vrai, c'est là-bas qu'on est bien. Voilà. J'ai 2-3 voitures à réparer, et voilà. Pour acheter mon billet, je me barre, voilà. Et normalement, la France, c'est un pays riche. Les gens, il faut se rebeller. Par contre, je suis pour la rébellion, moi, même si, pour l'instant, bon. Là, j'ai un travail. J'aurais pas de travail. Peut-être que là, je serais dans la rue
et peut-être que je serais avec les gilets jaunes et tout si j'avais pas de taf. Mais là, non, moi je pense qu'il faut y aller en vrai. Si on serait solidaires, on bougerait tous, ils ne pourraient rien faire. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme moi qui ne bougent pas, je reconnais, c'est pas bien. Il faut bouger avec eux. Mais après, j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'il y ait un œil en moi. Mais en fait, on n'est pas assez nombreux pour imposer un rapport de force. On n'est pas assez nombreux. La dernière fois, on était... la dernière manif, le 5 octobre, on était presque 1000, et celle d'avant, on était 3000. Là, 3000, on les a fait courir partout dans la ville. Mais là, en fait, les gens, ils sont rentrés chez eux, ils ont trop peur, ils sont fatigués. La lutte, elle dure depuis trop longtemps, en fait.